le 2, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo spéciale. Enfin, je sais pas si c'est vraiment spécial, mais voilà. Donc je vais vous présenter tous mes livres en fait par rapport aux chevaux. Donc ce soit des romans, enfin l'histoire, c'est pas vraiment forcément des romans. Ou des livres comme ça, pratiques on va dire. Donc voilà, on va commencer par des livres pratiques, on va dire, voilà. Premier livre que je n'ai pas forcément encore lu et qu'il faudrait peut-être que je lise à un moment. Voilà, c'est le livre Complicité avec mon cheval. Donc c'est Bien dans ses sabots, mes leçons pour progresser. Donc voilà ce livre-là. C'est une amie qui me l'avait offert. Je me demande si c'est pas une amie. Si, je pense. Donc Glena et le Cheval Magazine ici. Voilà. Donc c'est pour les cavaliers à partir de 8 ans. Donc voilà. Faudrait que je commence à le lire parce que je l'ai toujours pas lu. Enfin, j'avais peut-être juste lu un moment. Mais j'avais pas tout lu. Donc voilà, c'est un très très bon livre. Enfin, même si je l'ai pas forcément tout lu, j'ai beaucoup de lu dans une phrase, mais je sais qu'il est très très bien et voilà. Donc c'est une valeur sûre, je pense. Donc dans la même collection, je prends soin de mon cheval, je monte à cheval, je saute à cheval, avoir un cheval à soi, à cheval en extérieur. Donc si j'en trouve d'autres collections, tout ça, j'en prendrai peut-être les autres. Enfin, je prendrai peut-être les autres parce que les autres m'intéressent encore plus que ça. Même si ça, c'est très bien. Donc voilà, petit livre qui me semble très bien et que je vais petite lire. Voilà. Par contre, je sais pas où on l'achète parce que c'est une amie qui me l'a offert il y a longtemps quand même. Donc voilà. Deuxième livre, je vais prendre ça. C'est donc un livre sur chevaux et poneys, animaux domestiques. Donc je l'avais acheté à une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est l'édition Artemis. Et donc il y a, donc c'est dedans, il y a toutes les races. Si je ne me trompe pas, il y a déjà presque toutes les races. Hein. Voilà, il y a voilà, des trucs comme ça. On explique vraiment bien. On explique que genre il y a la taille, il y a les robes possibles, il y a dans la tête leurs caractéristiques, le corps, les caractéristiques, il y a l'origine aussi. Franchement, il est très bien fait. Là, je l'ai lu, j'avais trouvé une bibliothèque et voilà, on l'a acheté. Par contre, je sais pas du tout si on le retrouve encore parce que voilà, je l'ai acheté dans une bibliothèque, c'est quand même un livre. Donc voilà. Mars 1999, achevé d'imprimer mars 1999. Donc voilà, c'est quand même un truc qui date, mais je sais pas où on peut le trouver. Voilà. Dernier truc dans le pratique, je vais peut-être vous montrer ça d'après alors. C'est Galop 1 à 4, donc avec un CDAQ qui est juste par là-bas vers ma radio. Voilà, donc vous mettez sur votre ordi et en fait il y a des questions. Enfin, en fait, il y a des questions après chaque chapitre de galop, on va dire. Voilà, comme ceci. Et en fait, dans les pages avant, on a toute la théorie et tout ça. En sachant qu'en Belgique on n'a pas de galop, on a des étriers. C'est pas forcément les mêmes, mais c'est quand même un truc de documentation bien quand même. C'est plus ou moins la même chose hein, quand même, mais c'est pas tout à fait encore les mêmes choses. Beaucoup de choses dans cette phrase, mais c'est toujours bien d'avoir ça pour se documenter et pour s'exercer. Donc ça va de 1 à 4, donc on est déjà très très bien. Mais donc voilà, donc il y a manuel plus questions réponses d'examen, c'est de la collection, enfin c'est nouvelle édition, c'est Vico, l'édition Vico. Donc voilà, je sais pas où aussi on peut le trouver parce que c'est mon parrain qui me l'a acheté puisque je voulais avoir un truc sur l'équitation. Si je dis pas de bêtises, ce serait peut-être à la sellerie Gilbert. Voilà.
la série Gilbert, mais je suis pas sûre. Autre chose, bon ça c'est pas forcément un livre de documentation, c'est juste un livre d'amitié où mais genre j'en prendrai un où il y a personne dedans. Voilà. Je regarde. Donc voilà. Vous mettez numéro de téléphone, les passions, les préférences, et tout ça. Et en fait, à l'avant, il y a des trucs à savoir sur le problème sur l'équitation. Et voilà, avant il y avait des autocollants. Voilà, il y a des notes aussi. Il y a des petites notes, tout ça, qu'ils mettent à chaque fois dans les notes. Voilà, c'est un très bon livre. Je l'ai reçu à une amie à mon anniversaire avec le journal intime. Et voilà. Il date, hein, celui-là. Il date. On va passer au livre. Roman, on va dire. Voilà. Première chose, alors, il y a Bella Sara, le trésor d'Elanor en plus. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, Découvrez Bella Sara, le monde merveilleux des chevaux magiques. Elanor vit au nord de Spentantrion. Bon, au pire, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, vous pouvez lire parce que c'est... Voilà. Mettez pause si vous voulez. Donc il y a 96 pages, voilà, c'est un petit livre, hein. Mais non, j'ai un livre à lire à 90 pages que voilà, peut-être continuer aujourd'hui. Bref, voilà, c'est écrit moi ici je finirai très vite. Donc voilà, bon là c'est de 8 à 10 ans, voilà, je suis passée, mais c'était quand j'étais encore plus jeune. Et c'est un très beau livre. Et voilà, très belle histoire. Ensuite, de 8 à 12 ans avec 122 pages, c'est Alice et le cheval volé. Voilà, je vous laisse lire. Voilà, donc ça c'est pas vraiment... Enfin, les éditions, c'est les autres collections, autres livres dans la même collection. Je pense pas qu'il y a vraiment des chevaux, mais celui-là, il y a des chevaux. Donc voilà. Après, ensuite, je vais vous parler. J'ai laissé le dernier. Les poneys magiques. À partir de 7 ans, qui fait 101 pages. Voilà, je sais plus du tout l'histoire, hein, franchement. Mais si je les ai lus, hein, ceux-là. Il y en a peut-être que j'ai lu qu'une fois, mais. Franchement, si je devais pas lire des livres pour l'école, je pense que je les lirais à chaque fois, même si genre c'est des livres genre, à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans, tout ça. Voilà, voilà. Bref, donc voilà, petit résumé. Voilà. Après, il y a le poney du soleil, le tome 1, j'en sais rien, hein, le poulain d'Alix. C'est le tome 1. Je n'ai pas mis à partir de quel âge, je ne sais pas. Donc le tome 2, c'est le championnat. Je ne l'ai pas avec moi. C'est un livre, un petit livre, hein, il fait dans les 80 pages. Voilà. Logiquement, je l'ai lu, hein. Mais je me souviens vraiment plus des histoires parce que ça avait très longtemps. Voilà, mais voilà, il est assez bien, je pense. Alors, après, j'ai le Shelty et le poney abandonné. Putain, je me souviens même plus de l'histoire. Ouais, d'automne, il fait. Dans 85 pages. Voilà. Il est très bien. Il me semble. Voilà, maintenant je le dis, ça fait très longtemps. Il y a des images dedans. Très très belle illustration, je trouve. Et
première fois aussi. Donc voilà. Vraiment, tous les livres ici, je les ai lus il y a quelques temps, donc je sais plus du tout l'histoire et tout ça. Mais franchement, je pense qu'ils sont tous bien en fait. Voilà. J'ai des souvenirs plus ou moins et je pense qu'ils sont tous bien. Alors on arrive aux deux derniers qui sont franchement les deux livres, je pense, que j'ai préférés. Avec peut-être celui-là, je suis pas sûre, mais non. Je pense que c'est les deux que je vais montrer. Donc le premier, c'est Clara et les poneys, vacances au centre équestre. Donc le truc vacances au centre équestre. C'est des 8 ans. Voilà, c'est un livre à 126 pages. 125, voilà. Ça, j'ai adoré parce que déjà, l'illustration, c'est une photo, quoi. Voilà. Voilà, et je me souviens, ça raconte quand en randonnée équestre, et genre j'avais adoré l'histoire, tout ça, il y a des belles images, je vais essayer de trouver, voilà, et franchement, je pense qu'il était nickel. Et le dernier, je pense que c'est une bibliothèque aussi, j'ai trouvé, j'en sais rien. Mais bon, quand je l'ai vu, hein, j'ai fait, ben tu l'achètes. Hein, un peu toutes les cavalières ont regardé la série. Voilà, série, cavalière, voilà, grand vélo. Donc c'est l'épisode, on va dire, celui de Il faut sauver le club. Je pense qu'il y a eu un épisode. Il y a eu un épisode hein, sur ça. Alors je ne sais pas s'il a d'abord apparu. Non, c'est vu sur Gulli, je ne sais pas. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est une valeur sûre. Hein. Ceux qui regardent Grand Galop, quand on dit Stéphanie, tout ça, avec les trucs, Max et tout ça, quand on regarde la série, franchement, les têtes ici, tu vois. À part peut-être Steph, les deux autres, je trouve, elles ressemblent pas dans la série, franchement. Enfin bref, et quand on les connaît, quand on connaît un peu la série, quand on connaît même l'endroit où c'est en fait, ben moi quand on lit, et sûrement d'autres personnes aussi qui me suivent. Donc quand moi je lis un livre, ben j'ai dans ma tête, ben je vois un peu les trucs, enfin en vrai on va dire plus ou moins. Et donc voilà, ben sans que je connais les endroits et tout ça avec la série, ben c'est encore plus génial. Donc voilà, donc j'ai 18 ans. Aussi, donc quand on connaît la série, on accroche. Hein. Donc voilà, c'est tous les livres que j'ai sur les chevaux. Sinon, les autres trucs, c'est bien des magazines que j'avais achetés mais qui sont décapités. J'ai même découpé dedans pour un truc que je devais faire. Et donc voilà, voilà, ils datent en plus. Voilà, je sais plus si c'était les cheveux. Ouais, il y avait des BD aussi dedans, mais voilà. Mais ça, c'est vraiment les livres, on va dire, que j'ai. J'en ai pas beaucoup de documentation. Franchement, je pense, si j'en retrouve les livres de cette collection-là, je pense que je vais en acheter parce que... Je pense que la complicité, c'est peut-être le seul truc que je... qui m'intéressait le moins quand j'ai regardé les autres trucs, mais voilà, c'est de toute façon, je suis sûre que c'est bien expliqué et je me souviens que j'avais déjà lu et j'aimais bien déjà. Donc voilà, puis l'illustration est trop cool. Voilà. Bref, donc voilà, donc je vais finir cette vidéo maintenant. Donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.